Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, enfin ça pourrait aller mieux puisque comme vous pouvez le constater je suis un petit peu malade, j'ai le nez bouché, juste des petites allergies, rien de très très grave mais bon c'est juste emmerdant pour parler surtout quand on fait des vidéos, enfin bref nous on s'en fout, tout ce qu'on veut c'est du black and white, youhou! Et je vous remercie pour les 1000 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. Tout ça c'est grâce à vous. Oh là là. Et moi je frappe me en. Oh. Hey. Oh. Holy shit. Ça fait mal hein. Attends c'est quoi? Attends. On me verra. Ouais tu distrais pas la population. Non mais oh. Sale vache. Non mais oh t'as pas honte me. Oh là là. Que je t'y reprenne plus hein. Piou. Donc. Oh magnifique lever de soleil sur notre belle cité. Enfin belle cité. C'est un grand mot. Et je vois que nous sommes encerclés par des Aztèques. Ah, nous avons fini de construire la première rangée de remparts. Bon, ça laisse qu'une grosse entrée au milieu ici. Bon, faudra faire gaffe, faudra surveiller. C'est pas très grave. Est-ce que nous avons du mana? On dirait un petit peu quand même. Hein. On va leur faire un petit miracle de la foudre. Ouais, en plus, ah non, j'ai pas assez. Ah, effectivement, j'ai pas assez. Alors, c'est le lever de soleil. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure-ci? Eh bien, on va construire d'autres taudis pour toujours agrandir notre zone d'influence. De toute façon, c'est ce qu'on cherche. Hein. Allez hop, tag, plus de taudis. Je sais pas si j'ai fait tous les bâtiments municipaux nécessaires, mais je les rajouterai quoi qu'il en soit. En parlant de ça, je pense que je vais rajouter un cimetière, une fosse de torture, comme dans toutes mes villes. L'auberge est fait, voilà le temple. Alors, ah oui, il y a un temple. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il demande quoi là? Je vois pas ce que c'est. Ah oui, une usine à catapultes. Enfin, une usine, une manufacture de catapultes. Et dis donc, c'est hyper sombre. En fait, c'est dû à ces espèces de collines, à ces grosses montagnes qui cachent, enfin, qui font de l'ombre, quoi. Beaucoup d'ombre. Hein. Bon, j'espère que vous y voyez un minimum. Normalement le gamma est quand même un... Oula. Non, le gamma est un petit peu plus élevé sur la vidéo. Ah oui, petite précision, j'enregistre avec OBS donc. Hein, alors, je sais pas si vous avez aperçu des changements, enfin de grands changements plutôt. Mais moi, ça me simplifie la vie. Vous l'imaginez même pas. C'est incroyable. Non mais quand je dis ça, en plus c'est vrai. Hein, je vous fous pas de ma... je me fous pas de votre gueule, hein, bien évidemment. Non, je ne me le permettrai pas. En plus, c'est chiant, j'arrive même plus à parler là. Oh là là, je suis obligé de me moucher toutes les 2 minutes. Et donc, oui, voilà, pour faire des vidéos, c'est juste mais un bonheur. Hein. Vous voyez, pour un fichier de 30 minutes, avec Action, on était bon facile à 26, 25, 25 gigas à la fin. Et ben là, attendez, bon, par contre, on a le choix entre deux formats. Bon, c'est pas trop un problème. Franchement, c'est de bonne qualité les deux. On a le choix entre FLV et MP4, mais bon, bref, ça on s'en fout. Et donc, pour un fichier de 30 minutes, hein, même résolution, même durée, enfin, tout pareil. Avec OBS, j'arrive à 400 MO. Vous voyez, 400 MO contre 30. Alors là, il n'y a pas photo. Voilà, c'est juste merveilleux pour le montage. C'est beaucoup plus rapide. Enfin, pas tellement, mais un peu plus rapide. Mais pour le poids final de la vidéo. On dirait que les exilés cherchent à s'étendre au nord. Ah, et encore un Venez, peuple. pauvres imbéciles. Je finirai Ah ici le oui, c'est vrai. travail que j'ai commencé sur vos terres natales. Nos terres natales. Ah oui, c'est vrai, parce que le mec, il nous a virés au début. Oh, Les j'ai fait un exilés magnifique feraient cercle. mieux de rester Je à suis plutôt l'abri de fier. l'ombre. Leur À avancée l'abri de l'ombre. teste les limites de ma patience. Oh putain, ça devient presque super profond ce qu'il dit. Bref, et je vois que putain, je croyais être débarrassé des lags parce que oui, ça dépend des vidéos. Des fois, il n'y a aucun lag, mais alors là, il y en a quelques-uns, c'est bizarre. Bon, enfin bref, par rapport à Action, là, c'est sûr, niveau lag, on est tranquille. Hein, il y en a presque pas, il y en a peut-être deux ou trois par vidéo, mais c'est pas très grave. En même temps, ça doit être dû au jeu, peut-être un petit peu vieux. Ah oui, j'avais dit que j'allais placer un temple. Alors, ce serait peut-être bien de faire ce que je dis. Alors, les temples, c'est dans quelle catégorie? Ouais, c'est ici.
Temple! Ah oui, la prison aussi. À chaque fois que j'ouvre le menu construction, ça me donne des idées. Par contre, à côté de. Ouais, on va plutôt le faire dans cette zone. Bon, Les Grecs c'est pensent un que peu leur con dieu parce que est c'est à avec côté de eux. l'archerie. La religion a troublé leurs Bah ouais, esprits. hein. Bah écoute, si tu le dis, en tout cas c'est trop trop beau, j'adore vraiment, cette île est splendide, y a rien à dire. C'est beau quoi, c'est très Nous allons très 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 écraser les beau. Grecs comme nous avons écrasé les Égyptiens. Oui alors, par contre je comprends pas pourquoi il dit les Égyptiens, je crois pas avoir vu d'Égyptiens dans Black and White 2, sauf le moment où on a fait la mission pour l'archéologue que j'avais complètement chié. D'une manière totalement. Bon, je vais même plus vous en parler parce que c'était complètement honteux. C'était le fail le plus épique que j'ai jamais fait en fait. Voilà, j'avais tué un mec et résultat, on pouvait pas continuer. Voilà, j'avais pas envie de refaire tout le royaume quoi. Enfin, de reprendre une sauvegarde, voilà, machin, ça aurait été le bordel. On va aussi s'attaquer. À une première ville, peut-être dans ce premier épisode. On va essayer d'aller conquérir peut-être celle-là si on arrive à faire des soldats assez rapidement. Faut qu'on attaque là. Il n'y a pas à dire, faut que on les affaiblisse le plus vite possible, qu'ils aient le moins de soldats. Et ce n'en sera que plus simple. Tiens, en parlant du paysage, on m'a dit, voilà, on m'a rappelé comment ça s'appelait les dessins là. C'est les lignes de Nazca apparemment. Donc c'était aux États-Unis, je crois en Amérique du Sud ou je sais plus où, mais bref, des dessins comme ça dans le sable, enfin, je trouve ça super joli. Et franchement, cette île, elle a vraiment de la gueule. Mais c'est une grosse île, hein, c'est pas une petite. Ah, et eux, ils ont migré. Ouais, ils étaient dans un petit village, par contre, c'était pas. Voilà, ils devaient être ici. Bon, bref, ça, c'est des micro-villes qui nous rapporteront un minimum de ressources. Bon alors, me, comment que ça va, me? Bon bah ça va, elle est en pleine santé. Par contre je vois. Ah bah si! Attendez, ça manque de bleu par ici. Tac tac, on va choper tous ces petits citoyens. Voilà, qui travaillent bénévolement. Disciples adorateurs. Mais là, il est temps que vous Disciples fassiez ça à plein adorateurs. temps. Voilà. Et apparemment, il y en avait plein qui avaient des ressources sur eux, puisque vu le bruit que ça fait. Oh oui, attendez, alors est-ce que j'ai assez de mana? Foudre! Alors les mecs. Ah merde, ils sont arrêtés là. Oula, j'ai fait bouger le micro. Alors là, si les types ils passent ici, je les allume. Et c'est le cas de le dire. Attendez, on va peut-être essayer. Bon. Oh oui! Oh oui! Oh, Nous avons même pas gagné besoin. une Oh, île! 20 000. Le drapeau grec Ah, flotte sur merde. la ville de Médos. Hein? Ils ne sont pas loin Oui, j'ai d'Hydarouam. capturé Medum. Menez les troupes Ah jusqu'à la bah. mer des dunes. La mer des dunes. Intéressant, hein? Où est-ce la mer des dunes? Ah, on a capturé cette ville. Putain, mais c'est pas mon but là. Ça va pas. Ouh, une grosse ville. Oh, j'avais pas vu ça, j'avais oublié. Merveille du séisme. Ah, c'est bon pour nous ça si on arrive à le capturer rapidement. Déjà, on va voir. On va voir si. Tac, tac, tac. Combien d'hommes de. Ouais, je peux mobiliser. Ça va le faire. Avec des archers, c'est toujours ça de gagner. Ok, voilà. Ça nous fait une première armée plutôt conséquente. Avec un petit bataillon de guerriers et des archers. Ça va le faire tranquillou. D'ailleurs, maintenant que je sais comment lier les armées, ce ne sera plus un problème. Alors, la garderie est bien remplie. C'est un bon signe. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Vous voyez que les statuts de la fertilité, de la fécondité marchent plutôt bien. Tiens, en voyant tous ces hommes, ça fait penser à cette mission là, des espèces de folles là, les tariens avec leur sirop à la menthe là. J'avais essayé plein de trucs, j'avais essayé toutes les ressources, une femme, un homme et un enfant. J'avais pas essayé un vieux, mais bref, ça marchait pas. Alors, je sais toujours pas quoi lui amener. Peut-être un arbre. J'ai pas essayé ça. Ah ouais, attendez. On va essayer ça, un arbre. Peut-être que ça peut le faire. Hein. C'est un Oh, ça arbre! marche. Il a un joli Oui, c'est tronc, un mais arbre. ça n'ira pas pour notre Ah métier. oui. Oh non! Au moins, c'était bien tenté. Hein.
Franchement, je pensais pas que ça aurait marché. Hein. Très clairement, je leur plante un arbre devant la gueule. Je leur dis, oh, c'est un arbre, normal, tu te demandes même pas comment j'ai fait pour l'avoir, là, c'est pas grave. Et je l'ai planté, il est devenu tout orange. Bon, bref, c'est pas très grave. Faudrait... Non, c'est pas ça. Putain. La créature, elle a foutu sa station. Sa station, putain, qu'est-ce que je dis, moi, sa station. Sa poupée sur... L'hôtel de ville, voilà. Bravo, bravo. Bravo. Bah tiens, en attendant, toi, au lieu de... Ah bah tiens. Ah bah oui, tu vas te muscler, toi, j'ai une idée. Bah tiens, elle va arroser. J'aimerais bien planter ces putes. Ah, mais c'est parce que c'est pas dans ma zone. Voilà. Bon, me... Voilà, au lieu d'arroser, tu vas ramasser ça. Voilà. Et tu vas me faire... Non, c'est pas ça. Ah, musclé, musclé, musclé. Muscle-toi, me. Oh yeah, on aime ça, vas-y, ça nous vend du rêve, vas-y, vas-y. Allez, pousse sur les avant-bras, c'est bien, nickel. Ouh, putain. Comment ça? Ne faiblissez pas. Ah, ok, ouais, le bataillon d'archers, c'est pas trop une réussite, en fait, je crois que... Dispersion. Dissoudant, voilà. J'ai enfin compris comment dissoudre. On a notre bataillon de guerriers. Bah tiens, ça tombe bien, on va aller les égouiller. Alors eux, c'est des guerriers, ça pose pas de problème. Tant que c'est pas des archers. Parce que les archers avec leurs flèches enflammées, c'est juste la cata. Cata. La catastrophe. La catastrophe. Mais c'est bizarre ça quand même. Bah voilà. Mais c'est quoi ce délire? Je pense que ça a un petit peu bugué. Voilà. Bon, ça leur fait déjà de l'expérience dès le début. C'est perte. Ah, il y en a quelques-uns qui sont morts. Il y a deux clampins qui sont décédés. Trois clampins qui sont décédés. Ah, je suis désolé pour eux. C'est pas grave. Bah, des immigrés qui se ramènent là. On va aller les faire aller bah, par là-bas, comme on avait dit. On va aller les faire stationner dans cette zone. Ils ont des archers. Bon, s'en fout. On va ramener la créature, je vous dis. Ça va être la fiesta. En attendant que les archers se mobilisent. On va continuer à mettre des... Bah tiens, on va mettre un cimetière. Tant que j'y pense. Il manque déjà de nourriture. Putain, mais ils sont sérieux. Mais c'est vrai que le jour, la nourriture, ça part vite. Mais en même temps, avec les armées que j'ai fait... Tac, 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 cimetière. Juste derrière la garnison, tu sais. Il fera une très bonne fosse commune tu pourrais, pour les cadavres de mes ennemis. Ah oh bah si tu veux, moi je te loue hein. Que vous l'acceptiez. Ah oui. Oui oui, alors ils sont où? Ah oui, ils sont là. Pouh, putain, je les voyais pas. Tac. Bon, ça fait toujours un peu de bouffe. Parce que là, c'est vrai qu'on est en lourde pénurie. On va les aider parce que sinon ils vont faire. Nous avons besoin de nourriture. D'ailleurs, ça s'arrête pas de le faire. En même temps, vu le nombre grandissant d'enfants qui naissent. Bah tiens, on va arroser, on est gentil pour une fois. C'est juste histoire de, voilà, hein, de pas trop être dans la dèche. Au maximum, on essaye. Ici, c'est déjà au maximum, ok. Nickel. Et voilà comment on obtient 3700 de grains en une seule poignée, les mecs. Prenez-en de la graine. Prenez-en... Oh putain, je viens de faire une blague en plus. Oh là 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 là, je me sens plus. Prenez-en de la graine. LOL. C'est super drôle. On est tous pliés en deux. Bon, ok. On va ramener Meu. Alors, où es-tu, Meu? Meu, je sais. Ah oui, c'est bien, ça va manger ce villageois. Ça, c'est un... Quoi? Quoi? Ah, mais c'est horrible. Non, mais là, c'est sadique. Mais c'est ça qui me plaît. Elle va déglinguer la gueule à un villageois pour le bouffer. Avec un rocher. Bah, c'est original en même temps. Quoi? Putain, mais elle est vraiment teubée, cette créature. Hein, hein que t'es teubée. Ah, là, 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 là. Non, mais ça... Oh. J'attaquerai souvent les rochers. Mais non, mais ça va pas. Tiens, on attaque jamais les rochers. T'as pas honte? Non mais hein, c'est quoi cette créature? Bon. Oh là là. Non mais n'importe quoi. Oh, elle commence à avoir des poils aux oreilles hein.
Son pelage s'assombrit un petit peu. Peut-être que dans le prochain royaume, elle sera complètement noire. Hein. Ah, ce serait sympa. On va les aider à construire parce que là, ça prend deux plombes. Vraiment, genre le temple, par exemple. Temple, est-ce qu'on a du bois? Bah voilà, on a du bois et du minerai. Que demande le peuple? À chaque fois, je dis cette phrase. Faudrait que j'arrête. Voilà, il manque plus que 100 de minerai. Ça, ils vont s'en charger, non? Même pas, tu sais. Oh là 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 là. Mais à quoi ils me servent? De votre zone d'influence. Ah bah voilà. Vous pouvez les accepter ou les rejeter. Ah oui, on peut les rejeter aussi. Ils sont où? Là? Mais attendez, on va voir combien ils ont de bouffe parce que... Ouais, 10 000 de nourriture, là, je suis vraiment dans le besoin. Nous avons conquis une ville. Oh, mais t'es pas sérieux, dès que j'en accepte une, j'en conquis une. Oh putain, fait chier. En plus, elle est à l'autre bout de la map. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir faire cette mission parce que je sais qu'elle est très intéressante et elle est très drôle. Enfin, elle est drôle. Non, elle est pas drôle, mais je veux dire, franchement, c'est bien trouvé, c'est amusant. Pour de bon. Et maintenant, regardez-les. Ben, réfléchis deux secondes. Tu aurais pu. Oui, tu aurais pu. Mais non. 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 Voilà, non. Voilà. La réponse est non. Oh, moins 20 de prestige. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, putain. Wow, ils sont tous enceintes. Enfin. Attends, elles sont toutes enceintes. Regarde-moi ça. Ouais, bon là par contre elles sont émerveillées devant le cimetière. Qui demande du minerai, tiens c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez. Je vais être au courant de ce qui se passe là. À tous les coups c'est Meux qui a pété un câble. Non? Qu'est-ce qui se passe? Meux défonce la porte. Peut-être qu'on se fait attaquer de l'intérieur. Ah ah, ne serait-ce pas une catapulte? Non, c'est pas une catapulte. Oh yeah! Ça c'est me. Bien joué me. Et voilà, on fait rentrer les armées. Voilà, bon, la difficulté est pas non plus. Elle s'est cassée la gueule en pétant le mur, elle est douée. Ah oui, le feu. Ça j'adore parce que. Voilà, ça. Ça fait du dégât et puis c'est super joli à regarder. Et elle a réussi à se cramer. Allez, me, allez, il y en a encore là, il y en a encore. Nous partons sur le champ. Oh, il nous attaque. Attendez, attaquer. Ah, bah au fait, je suis con moi. Yeah. Ouais, c'est bon. On a fait une brèche. Me. Non, non, c'est pas ça que je veux. Me, tu vas aller. Ah putain, ces arbres, ils nous cachent la vue. Allez, attaquer. Voilà, nickel. Tac, et eux. Allez. Eux, ils vont aller se faire la catapulte. Ils ont que ça à foutre. De toute façon, ils ne savent même pas protéger leur ville. Ah, si, ils ont un petit. D'accord, ok. J'avais pas remarqué. Autant pour moi, j'avais pas remarqué. Ah, bien joué, me. Ben, me, comme ça, elle va pouvoir aller s'occuper de ces gus qui sont juste là, qui sont en train de se faire un barbecue. Tranquille comme ça, genre Jean-Pierre, vas-y, fais griller les saucisses. Voilà, ici on va mettre un chemin. Comme il faut. Elle ressemble vraiment à rien, ma ville. Hein. Je crois que c'est la plus moche depuis le début. Mais bon, on s'en fout, c'est le enfin c'est le but, hein, vu qu'on fait le... Qu'est-ce qu'il me fait, là? Des fois, le chemin, il s'emballe. Qu'est-ce que vous avez à voir? Vous arrêtez, là? Ah, putain, bossez. Pourquoi? Ouais, je te déglingue de toute façon. Alors, hein, qu'est-ce que t'as? L'autre, il dit j'adore regarder combattre de leurs créatures. Bah, je te défonce avec, alors. Comment ça? C'est pas ici, c'est bon. Non, c'est qu'une catapulte, je m'en fous. C'est rien, c'est une catapulte. Ils viennent de détruire une de nos catapultes. Voilà. Non, c'est pas vrai, c'est une illusion. Ah, d'accord, il se passe qu'ils sont là. Ces pertes vont raviver la ces archers, ça troupes. Ouais. Non. Ouais, bon, eux, ils vont pas faire long feu. Oh, avec un arbre, ça, c'est pas mal. Vas-y, me. Oh,
Oh, oh, c'était beau. C'était beau. Magnifique. Bon, par contre, eux, ils vont aller capturer, sinon on va mettre ça en temps. Et sur cette belle victoire, je pense qu'on va pouvoir débuter la mission. Ça nous fera une petite animation pendant cet épisode. Voilà, tac. Ils aiment pas les taudis. Bon, je leur en mets encore un petit peu parce que voilà, ça augmente la population. Je sais pas si tout le monde a un logement. Attendez, on va voir s'il y a des sans-abri. Pour ça, on va bien sûr sur le de ville. Tac, 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 tac. Sans-abri. Zéro, ok, nickel. On est bon, allez, c'est parti pour la mission. Attendez, on va attendre que ce bruit à la con. Nous allons écraser les Grecs comme nous avons écrasé les Égyptiens. Ah bah attendez, elle soigne. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais non, mais tu peux revenir à la maison. Tu peux revenir au bercail, vas-y. Tu peux revenir au bercail. Oui, oui, oui. Nous devons aller protéger la roi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Allez, c'est parti pour la mission, les amis. La danse de la pluie. Ta-ta-ta. Oh, oh, le mec il a pas de chance. Oh, ça taille. Je dois jouer. Je crois que c'est le type le plus intelligent du monde. Les rythmes sont trop compliqués. S'il ne pleut pas, le volcan va tout faire cramer. Copie mon rythme. On va faire tout. Oh yeah. Vite, patron. Reproduisez la séquence rythmique pour aider ce pauvre homme. Yeah! Oh, il a trop la voix. Oh, vous voyez? Alors. Maintenant, c'est à ton tour. T'es prêt? C'est parti. Tac. Oh, groovy, tac. Man. Donc, je suppose que vous avez. Ah, oh, ouais. Ah, je sais, groovy, man. Vous avez compris le principe, hein? Il faut retenir. Maintenant, trois c'est à fois. Ton tour. T'es prêt? C'est parti. Trois fois là. Oh, groovy, man. Ah, c'est parti. Tout. Oh, yeah, man. Ah, je sais. Ah, oh, j'adore comment il parle, quoi. Maintenant, c'est à ton tour. T'es tac. C'est parti. C'est parti. Un là, deux là. Oh, groovy, et un dernier là. Tu déchires tout. Oh, yeah. Je sais, ouais. Maintenant, c'est à ton tour. T'es prêt? C'est parti. C'est parti. Un là. De là, un là, un là. Oh, oh, je sais, j'adore les beats. C'est déjà fini? Non, non, pardon, non, non. Quand j'ai dit j'adore les beats, c'est voilà quoi. Hein? À prendre vraiment au sens. Enfin, non, non, non. Oh putain, je m'embrouille. On s'est compris, ok? Voilà, pas de mauvais jeu de mots. C'est bon là, je sens qu'elle va être déjà censurée là. La vidéo, c'est bon, je suis cuit. Oh, c'est beau. Grâce à mon magnifique beats. Magnifique, hein. Au tambour, tout ce qu'il faut à la main, tu sais. Ouais, en fait, je suis... On a réussi. J'ai fait ça toute ma vie, tiens. Le volcan de tout oh, ouais. Voilà une offrande. Oh, ouais. Oh ouais, vas-y, je te laisse, quand t'as tellement de boulot. Bien joué, patron. Oh là là. Vous avez le sens du rythme. Oh yeah. Oh, ils ont même fait ça. Oh là là, oh là là, l'ange qui danse. Vous avez le sens du rythme. C'est collector, les amis, hein. Collector, rien que pour vous. 30 000 points d'offrande. J'aurais dit peut-être un peu plus. C'est le coucher du soleil. Ah ouais. Eh, on est en fin d'après-midi. C'est plutôt joli. Joli, joli, joli. Joli. Magnifique. Alors, Meu est rentré. On va pouvoir lui enlever la laisse. Voilà, le cimetière est construit. Et il n'y a personne. Personne n'est mort pour l'instant. Ici, on a capturé la ville. Sauf que il n'y a personne, si je ne m'abuse. Si, 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 il y a des gens. Sauf que c'est un petit peu chaud de les repérer. Avec tous ces arbres à la con. Oh, bah j'ai une idée. Je suis teubé, moi. Ah, des fois. On va déforester un petit peu. Oh là là.
Voilà, comme il faut. Voilà, déjà ça dégage un petit espace. Et on va tout foutre dans notre... Alors par contre... Ah merde. Ouais, en fait non, c'est plein. Bah je suis con en fait. J'aurais dû le mettre là. Il est où l'entre... Ah oui, là. Alors ce qu'il est réparé, ouais. Yes. Voilà, là on a du bois. Bon, eux ils sont spécialisés dans le bois, c'est ça le problème. On en a déjà plein du bois. Nous serait plus la bouffe qui serait intéressant. Tac. Et je viens de remarquer un villageois. Une dame tout particulièrement. Qui est toute seule au final. Ah voilà. Comment ça, c'est que des femmes dans ce... Attendez. J'espère pas. Hein. Ah bah si. Disciple reproducteur. Bon, par contre, ça va être un petit peu chaud, hein. Je dois la mettre. Ah ah! J'ai repéré le seul mec du village. Bon, voilà, vous êtes deux, vous savez ce que vous avez à faire, hein. Je vous laisse, salut! bon, bah, on va se déplacer, nous. Ou putain, ah oui, par contre, c'est vrai que. Ah oui, ils ont l'armée, donc on va faire gaffe, hein. On va pas faire les marioles. On va plutôt aller comme ça. On va aller stationner ici, voilà. Ça me semble bien ici. On va faire un petit feu de camp barbecue saucisse. Voilà. Ça va le faire comme ça. Comme ça. Et je vois que... Non mais, nous avons la masse de population. Mais j'en veux plus. Toujours plus. Encore plus. Ça tombe bien. Tac. J'avais envie de faire d'autres gars. Oui, parce qu'il faut vraiment avoir une armée conséquente, hein. Sinon, ça va prendre 150 ans, ce sera pas marrant. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la guerre. Et d'ailleurs, le prochain objectif, c'est d'aller capturer la ville avec le séisme. Et je vous jure que cette fois, dans ce royaume, on utilisera un miracle d'une merveille. C'est promis. Je vous jure. Qu'est-ce que tu fais, me... Ok, bon. Elle a un petit trip avec les arbres. Alors, j'espère qu'on se fait pas attaquer. Non. Non. Fausse alerte. Fausse alerte, fausse alerte. Le mana, c'est mon atout au max. Alors, faut vérifier aussi si je me fais pas attaquer dans cette zone. Dans le prochain épisode, on fera cette mission. Et là, ben, je sais... Ah, ben, il y a toujours le mec. Ah, mais c'est l'enfant. C'est le gosse qui a grandi. Ah, ah, lol. Lol, lol, lol. Bon, par contre, je sais vraiment pas quoi mettre. Pour ces gentilles dames. J'essaie de réfléchir. Oh, je m'excuse. Je suis malade. Oui, oui, oui. J'espère que je ne vous ai pas explosé les oreilles. Ah là là, je suis vraiment désolé. C'est pas prévu. C'est assez chaud pour tourner une vidéo d'ailleurs. Excusez-moi, je me mouche. En exclusivité pour vous. Oui, oui, oui. Bon, on en a complètement rien à foutre. Oh, un faux villageois. Sans emploi. Oh putain, il y a des chômeurs dans ma ville. Ça va plus là. Ça va plus. C'est pas bon signe. Oh, mais ils sont déjà prêts. Bon, on va les lier, écoutez. On va lier ça. Lier. Nickel. Et on arrive déjà à la fin de l'épisode. Déjà. Oh là là, c'est horrible. Je suis tellement malade. Pour vous dire, j'ai installé la boîte de mouchoirs devant l'écran. Comme ça, je suis sûr de rien manquer. Ah, ils ont besoin de nourriture. Hein. On va les aider un petit peu. On va pas faire le gros crevard. Hein. De toute façon, j'en ai besoin pour avoir de l'armée. Ça, c'est capital. Et en plus, ils en ont. C'est juste qu'ils en ont pas assez pour nourrir tout le monde. C'est tout. C'est qu'un détail. S'il y a la moitié qui meurt de faim, c'est... Voilà, quoi. C'est sommaire. Ouais, il y a un arbre qui vient de s'effondrer au milieu de la vue. Bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je me suis bien amusé, en tout cas. J'aime bien me retrouver comme ça le mardi après-midi, comme je finis tôt. Vous faire un petit peu de Black and White, c'est un petit plaisir. D'autant plus que maintenant,
je peux faire vraiment beaucoup beaucoup de vidéos vu que ça ne prend absolument plus rien en place quoi. Ça ne prend plus de place de mémoire, enfin en capacité on va dire. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.